Il est de ces pionniers qui ont permis à deux mots de s'associer, Corse et cinéma. Et ce, sans être ni cinéaste, ni scénariste, ni même propriétaire de salles obscures, non. Mais en cultivant plutôt deux noms pas si communs que ça, passion et obstination. Jean-Pierre Mattei remonte le fil d'une vie dédiée au 7e art, mais pas que, avec ou sans filtre. Allez Jean-Pierre, c'est par là que ça se passe. Bienvenue dans votre vie, Jean-Pierre Mattei. Oh là, ça rappelle des souvenirs, tout ça. Ça, c'est Casablanca, au collège Ibn Toumer. Mon père était principal du collège. Il vient de Reynaud, lui, hein. Il est d'une famille de 11 enfants. 11 enfants. Votre papa. Et effectivement, 11 enfants, ça ne roulait pas vraiment sur l'or. Et lui, en fait, il est parti hein, pour... Il était au milieu. Ouais. C'est celui qui a fait des études, qui est allé à une licence d'italien. Et il s'est retrouvé à Casablanca. Et après, il a été muté à Oujda. Et moi, je suis né à Casablanca en 1939. Eh bien, on va vous retrouver à côté. Venez avec moi. Venez, Jean-Pierre. Ah. On vous retrouve tous les deux. Voilà, ça, c'est à Oujda. C'est à Oujda. Mais il y a un problème, c'est que votre papa, dites-moi si je me trompe, comme tout Corse, de l'époque en tout cas, il est très sensible au quand dira-t-on. Et expliquez-moi un petit peu une anecdote d'ailleurs avec lui. Ben, c'est-à-dire que je devais avoir 10 ans. 10 ans et on était allé voir un film. Je me rappelle, c'était La Maison Bonadieu. C'était avec Daniel Darrieux, Françoise Arnoul et Bernard Blier. Et dans ce film, à un certain moment, Bernard Blier descend les escaliers et dit « Je suis cocu, je suis cocu ». Et donc, le film, bon, c'était une histoire d'adultère. Et en sortant du cinéma, il y avait d'autres profs que mon père avait au collège qui ont dit « Mais comment cet enfant, on vient au cinéma et on va voir ce film ?» Et du coup, on n'est plus allé au cinéma pendant 6 mois. Mais tant et si bien que quand vous allez y retourner au cinéma, 6 mois après, le film que vous allez voir, c'est Orphée. Et Orphée, voilà. Ça va être l'émerveillement de votre vie. Ça va déterminer, en tout cas, d'une certaine passion, voire d'une certaine vocation. Mais on n'en est pas encore là. Votre papa, pour vous avoir, il a fallu qu'il rencontre quelqu'un. Et venez, voilà. on va jusqu'ici. Venez. Alors ça c'est à Oujda, et ma mère est là. Voilà. C'était une très belle femme. Et elle était originaire d'Apieto et de Reynaud. Ils étaient petits-parents, d'ailleurs. Ah oui. Et donc, je pense que ça a été un mariage d'amour, un mariage fusionnel, et ils se sont toujours été très proches. J'ai vécu dans un milieu ouaté. Oui. Voilà. Et trop protecteur, peut-être. Je n'avais qu'une envie. Après, ça a été de sortir de ce cocon familial. Mais je ne regrette rien. Qu'est-ce qu'elle va faire, votre maman ? Ma mère était institutrice et puis elle était devenue surveillante générale au lycée de Casablanca. Et avant de parler de vos rapports avec votre maman, on va parler d'un certain caractère de votre maman, c'est ici. Votre maman, c'est quelqu'un d'éminemment moderne. Elle a le permis très tôt. Et on la voit, là, d'ailleurs. Là, hein. Exactement. Vous voyez, c'est la première voiture qu'on a eue, la 62-62 M6, en 1950. On est sur les Calanques de Piane ou sur la route de... sur la route du col de Sévi, je crois. Vous reveniez automatiquement toutes les vacances, toujours. Hein. Voilà, c'est mes grands-parents. Ça, c'est le père et la mère de ma mère. Et ça, c'est moi, là, au milieu, avec les parents. Ben, on était très... Et on est allé se promener avec la voiture. Alors, à l'époque, la voiture, c'était quelque chose de très rare au village. Et quand on arrivait, on faisait souvent le taxi pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, on venait aux pierres. Tu m'emmènes à Vico, tu m'emmènes à Ibiza. Enfin, c'était une autre époque. Mais vous n'êtes jamais loin de votre maman, et on le montre sur cette photo-là. Là, vous êtes un petit peu plus vieux. Là, j'ai 20 ans. Vous avez 20 ans, toujours avec votre mère. Voilà, là, je vais partir à Marseille. Avant de partir à Marseille, on va raconter quand même une petite anecdote. Vous avez 20 ans, vous commencez votre première surprise partie un jour. Racontez-moi un petit peu ce qui se passe, pour montrer un petit peu. Une surprise partie à l'âge de 20 ans, vous voyez. Ouais. Hein, c'était pas...
Et donc, mes parents m'avaient donné l'autorisation d'utiliser l'appartement. Donc, on avait invité beaucoup de monde. Mais il ne fallait pas qu'ils soient dans la maison. Donc, je leur avais pris des places pour aller voir un film. Je me rappelle, c'était Gigi, qui était un film long. Et donc, ils sont rentrés vers minuit 5. Et dès qu'ils sont arrivés dans la maison, tout le monde est parti. ça a été un refroidissement total. Extinction des lumières et des musiques. Extinction des lumières. Et partir, justement, vous aurez ça dans la tête. Et j'ai mis cette photo pour bien le matérialiser, ça. Ah, ça c'est vraiment mes premières libertés d'étudiant. Voilà. Là, je suis avec un ami, deux amis qui sont disparus, malheureusement. Félix de Granby et Claude Eskenazi. Et il y en a un, c'est lequel qui est parti déjà à Paris justement à l'époque? Alors c'est Félix de Granby qui voulait faire l'IDEC, qui est parti à Paris et il est allé de désillusion en désillusion parce que ça n'a pas marché comme il voulait. Et puis après ça s'est mal terminé. Et ça se termine tellement mal que quand vous dites à vos parents, j'ai envie d'aller à Paris, moi, j'ai envie de quitter un petit peu le giron familial, et on vous dit non, Paris, c'est trop dangereux. Toi, tu vas pas à Paris, c'est comme ça ? Non, ils m'ont pas dit, c'est pas dangereux. Ils étaient pas très chauds, mais je pense que j'ai pas été assez efficace pour imposer ma volonté. J'ai préféré prendre des études plus bourgeoises, allez dire en gros, qui était de faire la pharmacie. Et je ne le regrette pas, d'ailleurs. Et surtout... Parce que ça m'a donné une survie qui m'a permis de... On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, pour l'instant, effectivement. Vous êtes voilà. À peine adulte, vous partez, mais vous ne partez donc pas à Paris, vous partez à Marseille. C'est exactement. Ça tout seul. Là, on est dans les rues de Casablanca. Là. Exactement. Allez, on quitte Casablanca et on va traverser la Méditerranée. Venez, Jean-Pierre, venez. Donc, comme promis, on a traversé la Méditerranée et on vous retrouve. Ah, dans ma chambre d'étudiant. À Marseille. À Marseille, rue Fortuné. Ah, c'est une belle époque, là. J'avais une très belle chambre. C'est le bonheur de se retrouver loin des parents ? Oui, on était trois colocataires et on se retrouvait. Il y avait quand même la communauté casablancaise et la communauté corse qui se retrouvaient. Je faisais un peu le lien. Et d'ailleurs, voilà. avec les retrouvailles de la communauté corse, il y a elle. Ah, ça, c'est mon épouse. C'était ma fiancée à l'époque, on disait ça. Maintenant, pas ma compagne, mais on disait ma fiancée. Et Johanna. Johanna. Dite Jeanne. C'était une belle époque. Ouais. Et elle est inscrite aussi en pharmacie. Nous sommes étudiants, on s'est rencontrés sur les bancs de la fac. Cela, par exemple. En 1959. Mais là, vous avez tout décortiqué. Alors, c'est la fac de pharmacie. C'est la fac de pharmacie, voilà. De Marseille, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiants à l'époque. Il y a certainement votre fiancée, qui, elle, est très sérieuse, qui va avoir sa première année. Vous, en fait, sur les bancs, là, inutile de vous chercher, parce que plutôt que de passer l'examen, dites-moi si je me trompe, vous... Regardez voilà, ça. Voilà. Oh, ça a été un des films cultes que j'ai dû voir 7 ou 8 fois. C'est un film très jouissif. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites des études de pharmacie et vous passez votre temps au cinéma? C'est-à-dire que la première année, quand je suis arrivé à Marseille, je sortais du cocon familial et j'ai trouvé une chambre chez une vieille dame de 80 ans. Qui, elle, cherchait plutôt d'avoir une compagnie que d'avoir un étudiant dans sa maison. Donc, j'avais qu'une hâte, c'était d'en sortir. Et donc, évidemment, j'aimais le cinéma et j'allais au cinéma, et au détriment de mes études. Donc, la première année a été une année d'adaptation à une vie seule, je dirais. Et après, il n'y a plus aucun problème. Oui, vous allez obtenir votre diplôme de pharmacien. À la fin du diplôme, on vous appelle même à l'armée. Vous êtes appelé en Allemagne. Là, je m'en vais à Constance, sur le lac.
je suis arrivé par temps de neige et ça a été un choc. La neige n'est partie que fin juin. Et par contre, celle qui est arrivée, c'est Johanna qui vous a rejoint. Voilà, ah. Ben, je me suis marié en juillet 65 et là, mon épouse m'a suivi. Oula, vous avez trouvé. Ça, c'est une photo qui m'interpelle toujours parce que c'est Jean-Paul de Rocasser qui était le maire de Porto-Vec qui nous a mariés et qui était à notre mariage. Parce que Johanna, elle est de Porto-Vec. Mon épouse est de Porto-Vec. Si vous vous mariez à Porto-Vec, c'est pour elle, hein, bien sûr. Hein. Elle est de quelle famille Famille Val, dont le père est pharmacien et qui a été le premier adjoint de Jean-Paul de Rocasser. Et d'ailleurs, quand vous rentrez en 1965, quand vous êtes avec Johanna en 1965 et que vous vous mariez, vous pensez un petit peu à reprendre la pharmacie paternelle? Non, mes parents sont rentrés du Maroc. Quand je suis marié, ils sont rentrés. Ils étaient en poste à Nice, au collège Rothschild. Et donc, naturellement, nous sommes allés à Nice, où nous nous sommes installés. Nous avons ouvert un laboratoire d'analyse avec mon épouse, de 65 à 1980. Et plutôt que la photo du laboratoire d'analyse médicale, j'ai plutôt voulu illustrer la période de la Côte d'Azur Nice avec ça. Oui, alors à Nice, là, j'ai rencontré, là, au milieu, c'est Christian Viviani, qui est maintenant rédacteur à la revue Positive, qui a été professeur de cinéma à Caen. Et là, à droite, évidemment, c'est Viviane Romance. Et donc, avec Christian Viviani, il y avait aussi Jean Gilly, qui était professeur d'histoire à Nice, où ils avaient une section cinéma et où Jean Gilly montrait des films à ses élèves. Ce qui est intéressant, Jean-Pierre, c'est que là, à l'époque, vous avez un laboratoire d'analyse médicale. Et pourtant, là, on vous retrouve à cette table, vous faites cette interview pour une revue perpignanaise. Voilà. Ben, c'était Marcel Homs qui était un ami là, que j'avais fait venir en Corse. Mais pourquoi ? Parce que quand j'étais déjà étudiant, je m'occupais du ciné-club de la faculté. Et j'avais été en relation avec la Fédération des ciné-clubs de France. Et là, on a formé un groupe où on allait se rencontrer soit à Toulouse, soit à Lyon, avec Bernard Charder, qui était les rencontres du cinéma indépendant, où pendant 8 ou 10 jours, on voyait toute une période du cinéma. Donc on a vu, par exemple, tout le cinéma de Vichy, tout le cinéma des années 30. Mais vous passez au laboratoire d'analyse médicale de temps en temps ou pas ? C'est-à-dire que c'était au moment des vacances, au mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y avait un... C'est vrai que la question s'est toujours posée, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on se levait à 6 heures du matin pour aller faire les prises de sang, les analyses. Et à 5 heures, il y avait un arrêt buffet quand même, où on pouvait s'occuper de ce que l'on avait envie de faire. C'était une double passion et une double énergie. Et d'ailleurs, cette passion, vous l'infligez même à ceux qui... Vous infligez, entre guillemets, à ceux qui viennent vous voir, parce qu'il paraît qu'à l'époque, quand vous invitez des gens chez vous, vous les installez automatiquement sur des fauteuils, hop, on branche le 15 mm et on regarde un film. C'est-à-dire qu'à l'époque, voir des films anciens, la télévision le faisait un petit peu, mais c'était très difficile de voir des films des années 30-40. Et donc, moi, j'avais acquis un projecteur 16 mm, et tous les dimanches après-midi, à 17h, il y avait la séance cinéma. Alors, les gens qui arrivaient, on leur imposait la séance cinéma. Et vous, à cette époque-là, justement, vous fréquentez même un petit peu aussi l'étude de la Victorine, vous interviewez Mélina Mercour, et c'est une... Je n'ai pas interviewé, j'ai fait une prise de sang à Mélina Mercour. Mais quoi qu'il en soit, ça vous titille à tel point que vous pensez finalement aller dans le cinéma. Et vous êtes à la croisée des chemins, là. Et il y a un moment, il n'y a pas un cousin à vous qui connaît Melville et qui vient vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe à cette période-là. Ouh là, vous savez trop de choses sur moi. C'est-à-dire que j'avais demandé à mon oncle, qui était l'avocat de Jean-Pierre Melville, de lui demander si je pouvais... il pouvait intervenir. Et quand même, il avait dit à mon oncle, il fait pharmacie, c'est très bien. Qui change pas de voix. Donc du coup, ça avait été dans la famille un regard net et tranchant, et c'est que je n'ai pas connu Melville. Mais donc, bon, ça fait partie
des faux regrets, allez dire. Parce qu'effectivement, en 1980, voilà, il y a le retour à Porto Vecchio, enfin plutôt même l'arrivée à Porto Vecchio, voilà. En fait. Hein, vous avez 40 ans en 1980. J'ai 41 ans. Et vous prenez la pharmacie, la pharmacie nouvelle. Avec mon épouse, on reprend la pharmacie nouvelle. Et au bout de 2 ans, c'est-à-dire qu'on arrive dans une ville qui n'a plus de cinéma, qui a fermé depuis 78, et le cinéma oriental, que André Biancarelli a géré pendant des années. Celui-ci, voilà. Mais là, la photo a été prise après 83, parce que là, il y a Cinéma Empire, et le Cinéma Empire a ouvert en 83. C'est-à-dire que de 1978 à 83, il n'y a pas de cinéma à Porto Vecchio. C'est une vraie désillusion, alors, quand vous rentrez à Porto Vecchio. Mais c'est-à-dire qu'il y a une association qui se monte en 81-82, qui s'appelle Aracolta. Et dans cette... Il y avait une demande... Bon, on disait que Porto Vecchio était un désert culturel et c'était l'attaque essentielle qu'il y avait envers Jean-Paul de Rocasser, que Porto Vecchio, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'association. C'est vrai qu'il y avait un petit ciné-club qui vivotait. Et puis, il y a cette association... Mais il y a une déception quand même, non? Le retour en Corse, il n'est pas si... Non, parce que c'est un moment, on est en plein réacquiste quand même. Et donc là, il y a une effervescence cinématographique avec Cinema Soce, avec L'Occhio Libre, qu'on oublie souvent, L'Occhio Libre, là, avec Antoine Leonardi. Et donc il y a une envie de cinéma. Et donc, ça m'interpelle, dirons-nous, et en même temps, de créer aussi une mémoire régionale, c'est important. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où une mémoire audiovisuelle et une envie de création audiovisuelle se rejoignent. Elles se comprennent peut-être pas, mais elles se rejoignent. Eh bien, on va voir ce que ça va donner, justement. On ne va pas en parler là, on va en parler dans une autre pièce, voilà. Hein, avec vous. Allez, venez Jean-Pierre. C'est difficile parce que vous me faites dire beaucoup de choses et en même temps, ça demande beaucoup d'explications parce qu'après on risque de... Allez Jean-Pierre, derrière ces écrans, ben des surprises ou pas, on verra bien. Tiens, ouais, pour celui-ci, parce qu'il y en a un qui l'a compris, cet élan dont vous parliez tout à l'heure, c'est lui. Jean-Paul de Rocasser. Fraîchement élu, hein, en 83. Exactement. Maire de Porto Vecchio. Et là, vous êtes sur la photo, parce que c'est à cette époque-là qu'il fait appel à vous. Oui, là, nous sommes dans la salle du conseil municipal, où on a fait une exposition full on. C'était une première de faire une exposition d'affiches et de dessins de Follon qui a été l'invité de la ville de Porto Vecchio. Vous arrivez avec plein d'idées, d'ailleurs, hein, celle-ci que vous mettez assez rapidement en œuvre. Sous votre impulsion, le Bastion devient un lieu... C'était un dépôt de voirie. Exactement. Et en même temps, le Bastion de France était quand même un élément important de la vie porto-vecchiaise. Il y avait ce terrain-là qui appartenait à la famille et puis cette maison qui appartenait à un particulier. Et donc, on a fait acheter ces deux lieux pour faire une grande place et que la salle du Bastion devienne une salle... Qu'on connaît aujourd'hui. Communale. La place qu'on connaît aujourd'hui. Qui aujourd'hui a pris toute son ampleur et où il y a plus de 500 visiteurs par semaine en dessous du Bastion de France. Mais votre grande affaire, vous, c'est le cinéma. Vous allez le contacter, lui, et c'est lui, c'est un des plus grands affichistes du cinéma français, hein, Michel Landi, qui va faire cette affiche. La Corse, c'est le cinéma. Cette association, c'est vous qui l'a créée, Jean-Pierre. C'est quoi cette association? Quel est son but? Alors, son but, c'est de ramener tout ce que les Corses et la Corse ont apporté au monde du cinéma. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que vous
récupérez des bobines, vous archivez des bobines. Le but de cette association, c'est non seulement d'archiver, mais ça serait aussi de montrer, de mettre en valeur. Hein. C'est le but de cette association. Exactement. On a beaucoup archivé et on a fait rentrer, par exemple, la collection de Charles Fort, qui est un historien du cinéma français, qui est un des fleurons du patrimoine de la région, et beaucoup de films, parce qu'il fallait créer ici un lieu où la mémoire régionale était présente. Donc, sauf que ce lieu n'existe pas. Ce lieu, justement, il est multiple, il est plusieurs. On le voit là sur cette photo. Vous avez toutes les bobines qui sont un petit peu archivées un petit peu partout. Exactement. Là, on est dans le cinéma oriental qu'on avait loué à l'époque et où on a archivé la première arrivée de films qui venait de Bruxelles. Et du coup, alors vous allez voir Jean-Paul en lui disant, je ne sais pas si vous le tutoyez à l'époque, mais vous dites qu'il faudrait qu'on ait un écrin justement pour ces bobines, pour toutes les affiches que vous collectionnez, il faudrait qu'on ait quelque chose pour vraiment mettre en valeur. Et puis, il se trouve qu'à la même, au même moment, il y a aussi Jack Lang, qui n'est pas loin, qui vient à Sartène. C'est-à-dire qu'on est en 81, il y a eu l'incendie de Pontel, de la cinémathèque qui a brûlé une bonne partie de notre patrimoine national. Et Jack Lang a impulsé, dirons-nous, la venue du cinéma à l'école et au lycée. Et il y a les sections audiovisuelles qui se sont créées. Donc ça, c'est toute une dynamique, si vous voulez, d'avoir de grands affichistes, de l'intrusion du cinéma à l'école et au lycée. Et en même temps, ce mouvement de réacquiste qui est là à ce moment-là font qu'il y a un intérêt majeur par rapport au cinéma. Et puis Jack Lang a quand même pas mal... Oui, sauf que Jack Lang, il amène beaucoup. Sauf que Jack Lang, il amène parce que vous allez un jour, il est à Sartène en visite. Vous lui tapez sur l'épaule ou je ne sais pas, vous lui remettez un dossier. Ça ne s'est pas fait comme ça au feeling. C'est qu'il y avait des dossiers qui étaient consistants et qui ont fait que ça a pu se mettre en place. Et oui, et donc... Ça a demandé beaucoup de travail. C'est vrai que c'était au détriment de la pharmacie et que ma femme a assumé le quotidien, mais je pense qu'elle l'a fait en toute connaissance de cause et où vraiment elle a été part entière dans cette dynamique. Et là, ça va très vite à l'époque, parce qu'en quoi ? En 48 heures. En 48 heures, on dit d'accord. D'accord pour ceci. Voilà. C'était un parking et à l'idée, à l'époque, on voulait en faire une grande surface et en même temps, l'idée du conseil municipal de Jean-Paul, c'était de créer un lieu culturel en ville qui donnait une vie, une âme au village. Et en même temps, c'était intéressant d'avoir un élément patrimonial et un élément... qui amène d'animation pour la ville de Porto Vecchio. Bien entendu. Eh bien, il y a l'inauguration. On est en voilà. juin. Alors, ça, c'est pas l'inauguration. Ça, c'est si vous voulez, c'est le point d'orgue, là, cette image, de la présentation de l'accord. C'est le cinéma qui, elle, après, va avoir une délégation de services publics pour gérer la cinémathèque. Du beau monde, effectivement. Et là, comme vous dites, voilà. C'est pour attirer les caméras, parce que tout n'est pas si simple finalement. La cinémathèque est construite en 97, vous faites cette conférence de presse, sauf que la cinémathèque va ouvrir qu'en 2000. Comment ça se fait qu'il y ait ces trois ans comme ça là ? Bah, c'est-à-dire que c'est l'époque où Jean-Paul de Rocasser est décédé. Donc là, il y a eu deux ans de battement où le fonctionnement de l'immeuble a pris ses marques. Et donc, le centre culturel a été, dirons-nous, dirigé par la mairie. Moi, je n'ai pas renouvelé mon mandat. Oui, parce qu'on va vous épuiser toutes ces luttes, finalement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'après, bon, il y a une telle dépense d'énergie qu'à un certain moment, il y a un peu fatigue. Mais enfin, j'avais à côté de moi quand même une équipe. Oui, mais enfin, bon, il y avait quand même une équipe. Mais vous, en 2003, vous jettez l'éponge, quoi. Hein, vous donnez la présidence, vous mettez de côté. Voilà, je me mets de côté volontairement. Et en même temps, ça prend une dimension régionale et administrative, surtout. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est la Cinémathèque, on est parti d'une énergie, dirons-nous, associative à une institution administrative qui est lourde. Et la gestion du personnel, c'est ça qui va nous épuiser.
et qui va vous épuiser, vous. Du coup, vous allez recentrer votre activité sur ce genre de choses. Voilà. Hein? Alors ça, c'était... Effectivement, vous écrivez beaucoup. Vous faites des documentaires, vous écrivez beaucoup. La Corse et le cinéma. Vous avez parlé tout à l'heure de Jacques Tati, Forza Bastille, à 78, effectivement. Énormément de travail. Ça, c'est un condensé un petit peu de toute votre culture cinématographique. Et tous ces livres vous ont permis, effectivement, de faire beaucoup, beaucoup de rencontres. Vous pensiez, justement, un jour, quand vous arriviez... Non. Ah non? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Il y a, dans la vie, il y a des gens qui ont la baraka et d'autres qui l'ont pas. Alors j'estime, c'est pas que je vais en faire une glorieuse, mais j'estime qu'il y a des gens, il y a un certain moment, il y a des faits qui font que, un certain moment, ce que vous souhaitiez, que vous désiriez, ben ça arrive à 40 ans, 45 ans. Donc si on dit ça à des jeunes aujourd'hui d'attendre 30 ans, on vous regardera avec des yeux ronds comme ça. Mais moi je leur dis, il ne faut pas désespérer, si vraiment vous aimez quelque chose, à un certain moment vous réaliserez vos désirs. Ah. Et un de vos désirs. Et ça, Lucie Costa, c'est une script fabuleuse. De Cocteau à Giovanni, à Henri Verneuil. Mais parmi toutes ces rencontres, il y en a quand même une, Jean-Pierre, il y en a quand même une qui compte plus que les autres. C'est celle-ci. Ah, elle a toujours été près de moi, elle est toujours. Hein, je pense qu'elle est attentive à ce qui se passe. Je veux dire que je pense que là, alors j'ai eu. C'est ma grande chance. Parce qu'elle a toujours soutenu et elle soutient toujours, même au moment les plus difficiles. C'est un tuteur. 50% de ce que vous avez fait, c'est grâce à Joanna. Exactement, même peut-être plus. Même peut-être plus. Là, on est à Prague. Et on finira avec malgré le no smoking. On finira avec cette image-là. Parce que vous êtes encore un homme de projet. Et ça, c'est votre dernier projet. Gabriel de Gravone, un illustre inconnu. Insulaire, bien sûr. Vous avez donc... Oui, c'est ça qui est troublant. Vous dites un illustre inconnu, c'est ça qui paraissait. Il a arrêté sa carrière en 1926, donc évidemment, ça remonte. Mais il se disait dans une interview qu'il fait pour Radio Marseille, un truc, j'étais l'Alain Delon d'époque. Exactement, et vous faites un documentaire donc, sur lui. Donc je fais un documentaire sur lui, où il raconte, c'est ça qui est intéressant, toute sa jeunesse jusqu'à 16 ans à Bastia et à Ajaccio. Ça sera pour quand, ça? Incessamment sous peu. Incessamment voilà, sous peu. Voilà. Eh bien, on a hâte de voir ça. Allez, Jean-Pierre, on fait une petite pause, alors. Là, venez à côté de moi, on finit avec un selfie, vous le savez. C'est le troisième. Merci infiniment. Voilà. Mais écoutez, bon, vous êtes au montage, au tournage, vous en êtes où sur le documentaire, là? On recherche les... On trie les documents. Bon. Il y en a une masse extraordinaire. Eh ben bon tri à vous. Merci. Et puis, rendez-vous pour le visionnage. D'accord. Allez, Jean-Pierre. Merci.